120 dirigeants à la COP26 aujourd'hui en Écosse. Ils vont tenter de répondre une nouvelle fois au défi climatique. Un sommet qui doit en principe entériner les accords de la COP21 qui s'est tenue à Paris il y a 6 ans. Mais peu de chances d'y parvenir tant les dissensions persistent. On va le voir. Les puissants de la planète qui ont clos hier le sommet du G20 avec l'absence remarquée de la Russie et de la Chine. Aucun point d'accord, ni sur la taxation des multinationales ou la suppression des droits de douane, ni sur les aides sanitaires à apporter aux pays pauvres. On fait le point dans ce journal.